France, bienvenue dans le légendaire village de Saint-Tropez. Ça y est, j'y suis, le port de Saint-Tropez, le port emblématique de Saint-Tropez. Comme vous voyez, j'attends mon skipper, hein. Enfin, ça c'est dans mes rêves, mais qui sait, on sait jamais. Allez au marché de Saint-Tropez, c'est l'un des lieux les plus charmants de ce village provençal. Perdez-vous dans les allées, vous allez voir, vous allez trouver de véritables petits trésors et vraiment, vous allez revenir enchanté par cette balade. Si vous voulez faire une rencontre vraiment passionnante, venez ici sur le stand d'Anne-Marie Le Riche. C'est une femme absolument incroyable qui parcourt l'Inde à la recherche de brodeurs, de tissus extraordinaires. C'est une femme avec un grand cœur qui a une passion pour les tissus, la broderie, les rencontres, les belles histoires et les voyages. Donc venez rencontrer Anne-Marie et discuter avec elle. Prenez le temps, vraiment. C'est une des plus belles rencontres que j'ai fait sur le marché de Saint-Tropez. L'institution, la tarte tropézienne. Ce dessert qui vient du sud, brioche, crème pâtissière au milieu, un vrai supplice, un vrai régal. Vraiment, je vous recommande vivement de vous arrêter et d'y savourer ce délice. Je me dirige donc sur le port emblématique du village de Saint-Tropez et moi je vous recommande vivement pour les amatrices de shopping de déambuler donc dans la rue du Général Allard. Vous allez trouver votre bonheur, ça j'en suis certaine. C'est terminé pour moi Saint-Tropez, mais en tout cas je ne pouvais pas terminer cette fabuleuse journée sans m'arrêter dans le mythique café Sénéquier qui se trouve derrière moi. Je vais aller boire un coup et puis je vais repartir pour la route. En tout cas, merci, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt les
aventuriers.